Salut à mes frères, moi de toute la Côte d'Ivoire, et je vous salue depuis Abidjan. Je me nomme Degbe Zouzou Gérard. Mon père vient de Bayaoukro, maman vient de Kounaéri. Je suis celui-là même qui a créé la page Facebook Moi ça pour sans fier, qui s'agit de musée et de culture du peuple moi. Je viens sur ces mots pour vous interpeller que l'heure n'est plus à s'amuser, que nous sommes un grand peuple maintenant. Depuis les années au XVIIe siècle, ce peuple était ici partout en Côte d'Ivoire et aujourd'hui est minimisé. C'est vrai, par la suite des choses, il y a d'autres peuples qui se sont phagocytés et avec d'autres peuples, mais le peuple pour moi est resté. On est resté là. Et je pense bien que beaucoup ne connaissent pas aussi leur origine, beaucoup n'apprennent pas à leurs enfants qui ils sont réellement, beaucoup ne connaissent même pas eux-mêmes leurs propres valeurs. Mais moi, je connais ma valeur. Donc, j'appelle à tous les mois de vraiment se réveiller parce que l'heure n'est plus à cacher son ethnie. Moi, où je suis, je ne fais pas de politique. Moi, mon travail, c'est d'aider mon peuple à sortir du noir. Parce que où je suis, il y a eu des aînés et j'ai eu des petits frères. Mais vraiment, Dieu merci, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous réunissent. Les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, on se retrouve et on peut se changer. Donc, pour d'autres qui ne savent pas, vous avez la page Moi 100% fier, qui est ma page Facebook. Et vous venez aussi sur YouTube, vous pouvez nous trouver nos vidéos. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres gens, quand tu leur demandes qui ils sont, ils te disent que je suis d'autres ethnies. Mais ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne en tant qu'un fils de Bomisso, un fils de Siagbe, un fils de Gbegbe, un fils de Menengbe et plein d'autres. Nous sommes nombreux. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire nous connaît déjà à travers des taux de taux que tout le monde connaît, à travers Vital, qui est aussi Bomissou, à travers Tonton Zéla, qui a chanté Jérôle Kado, c'est moi aussi, et sans oublier Franck Begbé, qui est acteur de film, et je peux citer aussi Bruno Bomissou, qui est un cinéaste aussi. Donc, vraiment, je leur dis grand merci. Grand merci. Que aussi, dans leur tournage, il faudrait qu'ils puissent aussi valoriser et leur peuple. Je remercie encore Franck Begbé et Bruno Bomissou parce que, étant à Abidjan, c'est si comme on était avec eux, ils ont fait des tournées, je crois bien, l'année surpassée, l'année passée, dans le département de Kounéri. C'est vrai. En faisant ça, ils étaient vraiment très fiers d'eux. Ils ont levé le peuple encore très haut, motivé. Et je pense bien que leur Kouna culture, nos Kouna culture, au moins de Boya et des choses à Kounéri, vraiment ça m'a épaté. Je suis très fier de vous. Continuez comme ça avec le maire qui est là, le nouveau maire. Vraiment, je sais que c'est un maire dynamique qui fait beaucoup pour nous. Je vous dis vraiment grand merci et je vais continuer à faire la vidéo. Je vais vous détailler d'où est sorti ce peuple, comment nous sommes, nos cultures. Et de passage aussi, je salue un grand monsieur du nom de Alassane Kouayo Diamana, vraiment qui fait beaucoup pour le peuple. Oui. Donc, sur ce, je vous dis bien les choses. Portez-vous bien. Là où vous soyez, quoi que vous fassiez, ne nous oubliez pas. Je vous dis grand merci et à très bientôt.